Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous sommes là pour tester le Argon One pour Raspberry Pi 4. Je vous montre ça tout de suite en vidéo. C'est parti! Aujourd'hui, je viens de recevoir le dernier boîtier de chez Argon pour Raspberry Pi 4 que j'ai acheté chez Kubi pour le prix de 26,95€ plus les frais de port. Ce boîtier est un boîtier dissipé et ventilé. Nous allons tout de suite voir ça en vidéo. Donc ce boîtier est en aluminium. Vous avez l'emplacement ici pour le GPIO. Il se compose de dissipateurs et d'une carte. Les dissipateurs. Une fois les dissipateurs mis en place, nous allons pouvoir mettre notre Pi dans le boîtier. Donc c'est un boîtier qui est ventilé. Il rentre parfaitement dans le boîtier. Du coup, nous allons maintenant installer les vis. Donc il vous faudra une vis ici, une ici, une ici et une ici. Il nous suffit maintenant de mettre le dos. On fait attention à l'emplacement de la carte SD. Des grandes vis ici, ici, ici et ici. Écoutez, si vous êtes intéressé par ce boîtier, il suffit de regarder le lien qui est en description sur le site de Kubi. Il coûte seulement 26,95€. C'est un très bon boîtier. Je sais que l'on peut l'overclocker du coup à plus de 2,1 GHz avec une chauffe à 59 degrés. Vraiment super produit en aluminium. Ce n'est pas du plastique, simplement sur le dessous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Rejoignez-moi sur le groupe Facebook Rétro vers le futur. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut les rétros!